Je voudrais vous présenter maintenant notre second orateur. C'est Matthias Finck, qui est physicien, professeur à l'École de physique supérieure de physique de chimie industrielle de la ville de Paris, un de nos fleurons, sur la chaire Georges Charpak. Il a dirigé le laboratoire Ondes et Acoustique. Il a été responsable aussi du rapprochement avec l'optique physique. Et il est un des responsables de l'Institut Langevin, qui rassemble une pléiade de magnifiques chercheurs. Je lui donne tout de suite la parole. Merci. D'abord, on va faire quelques manipulations un peu compliquées. La Silicon Valley n'a pas résolu le problème des connexions ultra rapides. Après cet exposé magnifique sur la Silicon Valley, j'ai quelques complexes à vous parler de ce qu'on peut faire dans une ville comme Paris pour essayer aussi de développer de l'innovation. Et en fait, on n'a pas trop mal réussi dans le cadre de l'école physique-chimie que vous connaissez tous, pour un certain nombre de raisons. Et je vais vous expliquer un peu le modèle qu'on a développé dans le laboratoire que j'ai un peu créé, qui s'appelle l'Institut Langevin. Je rappelle d'ailleurs que Langevin a été professeur au Collège de France dans le passé et directeur de l'école physique-chimie. Alors, je vous montre d'abord l'Institut Langevin. C'est une centaine de personnes, dont 30-35 chercheurs, qui travaillent à temps plein sur les ondes. Alors, les ondes, au sens général, les ondes acoustiques, ultrasons, les micro-ondes et l'optique. Et dans tous ces domaines, il y a beaucoup d'applications des ondes, à la fois en communication, en imagerie, pour les radars, pour des tas de choses. On fait de la recherche et fondamentale et appliquée dans cet institut. Et on a une particularité, c'est que au sein de l'Institut, nous avons une juriste qui vit à plein temps depuis 6 ans avec les chercheurs. Et donc, les 35 chercheurs et enseignants-chercheurs connaissent très bien cette juriste qui leur apprend comment on pose un brevet, comment, si l'idée est suffisamment intéressante pour qu'on crée une start-up, si oui, ou si on peut passer un contrat avec des industriels. Et donc, on a, contrairement à la plupart des labos dans le monde universitaire français, où on a des chercheurs dans le labo, et quand ils ont une idée d'innovation, ils vont voir le service central de l'université, où il y a une juriste ou un juriste qui les aide. Chez nous, c'est différent. La juriste vit avec les chercheurs, les connaît tous, et leur a donné une culture juridique à tous. Et vous verrez que les résultats de ça sont assez intéressants, puisque notre petit institut, avec, disons, 35 chercheurs permanents, a créé 11 start-up, 450 emplois. Je ne liste pas, je détaille pas toutes les start-up tout de suite, mais j'en parlerai au moins de 5 dans mon topo. Et ces 450 emplois sont des emplois de high-tech. Un certain nombre d'étudiants de l'école physique-chimie sont rentrés dans les start-up, mais on a des gens qui viennent de partout. Et vous allez voir, il y a des aventures assez intéressantes. Alors maintenant, pourquoi s'intéresser aux start-up? Je sais que notre président parle de la France comme une start-up nation. Est-ce que c'est vraiment intéressant d'être une nation de start-up? Et est-ce que c'est vrai? Et pourquoi s'intéresser aux start-up alors qu'en France, on a des grands groupes industriels qui sont très forts en technologie? Vous prenez Thales, Safran, Airbus, c'est des grands groupes qui marchent très bien. Est-ce qu'on a besoin de start-up pour inventer des choses nouvelles, ou est-ce que les grands groupes ne peuvent pas faire le boulot tout seuls? Et vous allez voir que c'est tout à fait intéressant à travers 5 exemples que je vais vous montrer. Quand vous avez vraiment une idée qui est une innovation de rupture, n'essayez surtout pas, mais surtout pas, d'aller voir un grand industriel. Ou il va vous dire que ça ne l'intéresse pas, ou si ça l'intéresse, c'est pour l'enterrer, cette innovation de rupture, parce que par rapport à tout le déroulement de ce qu'il fait chez lui, c'est trop tôt toujours l'innovation de rupture. Et donc, si quand même, si vous avez l'impression que vous avez une innovation de rupture, et je vous montrerai à quel point c'est vrai, créez une start-up, et après, votre start-up sera rachetée par un grand groupe, ça, c'est sûr. Mais créez d'abord une start-up, sinon ça ne marche pas. Et beaucoup de chercheurs qui ont des belles idées sont très déçus parce qu'ils s'adressent de façon très naturelle aux industriels et ça ne marche pas. Les industriels ne font pas grand-chose. En fait,
L'aventure pour nous a commencé lorsqu'en juillet 1999, Claude Allègre, que vous connaissez tous et qui était ministre de la Recherche, a créé la loi sur l'innovation. C'est une loi très importante pour nous tous parce qu'elle a permis aux chercheurs du public de pouvoir créer des start-up, de participer à ces start-up, d'être conseiller de ces start-up. Avant, c'était interdit. Avant, il fallait tout faire en cachette pour les gens qui avaient envie de créer des start-up à partir d'idées universitaires. Il ne fallait jamais mettre son nom, sinon, en tant que fonctionnaire, on n'avait pas le droit. Il y avait un seul endroit où on pouvait faire ça, c'était l'école physique-chimie. Pourquoi ? Parce que l'école physique-chimie est une propriété de la ville de Paris. Et la ville de Paris, en 1980, 1970, ne savait pas ce que c'était qu'un brevet. Et même en 1999, la ville de Paris ne savait pas ce que c'était qu'un brevet. Et donc, elle ne demandait pas à ses chercheurs de passer par elle pour déposer des brevets. Elle leur disait, faites ce que vous voulez. Si vous êtes assez riche, vous déposez un brevet. Si vous voulez créer une boîte, allez-y, faites-le. Et la ville de Paris laissait les chercheurs faire ce qu'ils voulaient. Et en même temps, cette école physique-chimie a eu quelques directeurs tout à fait spectaculaires, comme Pierre-Gilles de Gennes. Et Pierre-Gilles de Gennes aimait l'innovation. Et il avait un directeur scientifique qui s'appelait Jacques Lévinaire, qui était quelqu'un d'extrêmement astucieux au niveau de l'innovation, et qui, lui, sur ses deniers propres, déposait des brevets, puisqu'il avait le droit en tant que professeur, et en même temps créait des start-up. Mais pour ça, il faut des qualités un peu spéciales qu'un chercheur n'a pas toujours. Un chercheur dans le monde des start-up, c'est difficile de survivre. Lui y est arrivé et lui a créé une ambiance start-up dans cette école. Et moi, j'ai rejoint l'école en 1990 et j'ai vu cette ambiance. Certains chercheurs créaient leur start-up eux-mêmes après avoir déposé leur brevet eux-mêmes. Et moi, j'ai choisi de faire autre chose. J'ai choisi de convaincre le CNRS qu'on pouvait, au sein de l'école physique-chimie, pour un labo qui était mixte, passer par le CNRS pour déposer beaucoup de brevets et essayer ensemble, dans l'esprit ESPCI, de créer des start-up. Et bon, ça a bien marché, comme vous allez le voir. L'ambiance ESPCI était excellente pour ça. Et à l'ESPCI, un certain nombre de chercheurs ont travaillé avec des grands groupes industriels, mais un certain nombre de chercheurs commençaient à créer leur propre start-up. Et je vais vous montrer à travers maintenant une petite aventure de physique comment passer par des start-up est quand même essentiel quand vous voulez pousser une innovation de rupture. Donc, parlons maintenant un peu physique. Et vous avez remarqué que dans le titre de mon exposé, il y avait le mot « renversement du temps » ou « retournement temporel ». Et en fait, nous nous intéressions dans les années 90 à des problèmes de physique qui étaient les problèmes de la réversibilité en physique. Peut-on rajeunir quelqu'un ? Ça, c'est difficile. Mais peut-on rajeunir une onde ? Pourquoi pas ? C'est beaucoup plus facile. Et ce qui nous intéressait, c'était de fabriquer une machine qui, en utilisant la loi de Moore, qui nous permettait d'avoir des composants électroniques très rapides à partir des années 90, et vous verrez que ça va de plus en plus vite, peut-on fabriquer une machine qui oblige une onde à revivre sa vie passée ? Et la première idée que nous avons poussée, c'était dans les ondes peuvent être électromagnétiques, ça peut être les ondes qu'on utilise en wireless, mais ça peut être aussi des ondes acoustiques et ça peut même être des ultrasons. Et dans le cas des ultrasons, c'était le plus facile de fabriquer une machine à retournement temporel pour les ondes ultrasonores et on a commencé par ça. Et l'idée est très simple. Imaginez que vous avez une source d'ultrasons, que j'appelle une source acoustique, qui pousse un cri ultrasonore. Ce cri se propage dans un milieu qui peut être très compliqué, où la vitesse des ultrasons peut avoir une structure très complexe. Cette onde va être déformée. Mais si vous mettez plein de petits microphones autour de la zone qui a poussé ce cri ultrasonore, eh bien, chaque microphone peut enregistrer un signal, va vous donner un signal électronique qui va être la conversion de la pression acoustique en un signal électronique, et vous pouvez stocker tout le résultat de ce cri qui arrive sur chacun des microphones dans des mémoires électroniques. Et comme dans les années 90, les premières mémoires électroniques un peu rapides dans le mégahertz commençaient à apparaître, on pouvait stocker tous ces petits cris dans des mémoires électroniques. Et lorsque vous relisez ces mémoires électroniques en verlan,
mais c'est du vrai verlan, c'est-à-dire que ce n'est pas les syllabes qu'on retourne, mais c'est toute la chronologie des signaux. Si maintenant vous inversez la chronologie, et si vous faites émettre tous ces signaux en chronologie inversée par chacun des micros qui devient maintenant un haut-parleur, eh bien, vous démontrez que vous créez une onde qui est obligée de revivre la vie passée de cette onde. Et l'onde revient en marche arrière et revient exactement épouser la forme de la source. Donc, pourquoi fabriquer un engin comme ça, qui oblige une onde à revenir vers l'endroit d'où elle est née? Ben, c'est parce que maintenant, si vous amplifiez cette onde, vous pouvez par exemple détruire cet endroit ou le brûler. Ou si vous appliquez ce principe dans un ordinateur, vous pouvez refaire l'image de cet objet avec une grande précision. Et donc, on a travaillé là-dessus, comment ce principe du retournement temporel marche quand vous avez des milieux compliqués, est-ce qu'ils marchent mieux ou moins bien, et on a trouvé beaucoup de choses intéressantes qui étaient de la physique de base. Mais on s'est dit, mais on va utiliser ce principe d'abord pour faire une arme de destruction, mais une arme pour détruire les calculs rénaux. Et donc, à l'époque, j'avais proposé cette idée, c'était en 89. La loi de Moore n'était pas très favorable. Vous allez voir que ça coûtait beaucoup trop cher de faire ce qu'on a fait en 89. On s'est dit, on va envoyer une onde ultrasonore dans le corps humain. S'il y a un calcul rénal, c'est une pierre. Il renvoie donc un écho très fort. On va capter cet écho et on va le retourner temporellement. Et donc, il va revenir exactement sur le calcul pour le casser. Et puis après, on va amplifier l'onde. Et donc, on a poussé l'idée en disant, maintenant, si vous avez une cible, ce n'est pas une source active, c'est ce qu'on appelle une cible passive, comme un calcul. Si vous envoyez une onde ultrasonore à travers les couches de graisse et de muscles de chaque patient, si quelque part il y a une cible dans le corps humain qui est très échogène, si vous captez cet écho et si vous retournez temporellement cet écho, vous autofocalisez sur la cible. Et si maintenant vous multipliez par 1 million le signal que vous avez reçu là, vous pouvez détruire cette cible. Et on s'est intéressé à ce qui s'appelle le retournement temporel itératif. Quand vous avez plusieurs cibles, si vous envoyez une première onde qui éclaire deux cibles, une très réfléchissante, une moins réfléchissante, si vous itérez des acquisitions de signaux et du retournement temporel, au bout d'un certain temps, le système va se mettre à éclairer de plus en plus fort la cible la plus brillante. Et vous allez apprendre à reconnaître le front qu'il faut pour détruire cette cible brillante. Et donc, on avait fabriqué un premier appareil qui est là, en 90, où il y avait en gros 200 petits transducteurs piézoélectriques qui pouvaient être soit des micros, soit des émetteurs. Et on mettait ça dans une bassine d'eau, on mettait un patient, et ce patient avait un rein, et dans le rein, il y avait un calcul, et on apprenait par retournement itératif à autofocaliser sur le calcul. Et on pouvait le détruire, et on a testé ça à l'hôpital Édouard Herriot à Lyon et à Paris aussi, et on a voulu travailler avec une société qui existait déjà, qui s'appelait Technomed, et on a essayé de mettre sur le marché cet appareil. Mais cet appareil coûtait, et cet appareil avait un énorme avantage, c'est que 30 fois par seconde, le faisceau suivait le calcul quand il bouge, et on ne vous dit pas, quand vous allez à l'hôpital vous faire traiter, qu'en gros, les faisceaux ratent 3 fois sur 4 le calcul et tapent sur les tissus à côté, parce que le calcul bouge pendant que le faisceau, l'onde de choc casse le calcul. Et nous, c'était un système beaucoup plus efficace qui ne tapait que sur le calcul et qui le traquait. Donc, ça traitait plus vite. Mais le prix de l'appareil était tel à l'époque que ça coûtait 6 fois plus cher de fabriquer le prototype que le prix de vente des appareils de lithotripsie classiques. Et donc, lorsqu'on a voulu sortir cet appareil, ça n'a pas marché. On était bien trop en avance. Et donc, on a été très déçus. On avait développé la technologie du retournement temporel, mais c'est arrivé trop tôt. Alors, on s'est dit plus tard, mais on a des miroirs à retournement temporel, ces grandes boîtes, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose d'autre? Et donc, on a décidé de passer de la destruction à l'imagerie. On peut faire aussi, vous savez, des images par ultrason. Le principe de l'échographie, tout le monde le connaît. Vous avez des réseaux de transducteurs piézoélectriques exactement comme ceux qu'on utilise dans un miroir à retournement temporel. Et vous savez que quand vous mettez ces appareils sur le ventre d'un patient, eh bien, vous pouvez faire des belles images et vous pouvez faire en gros des films
à 50 images par seconde de ce qui se passe dans le corps humain. On voit très bien les tissus mous. Le diagnostic est compliqué. Il faut des médecins assez doués pour ne pas se tromper sur le diagnostic, mais l'imagerie ultrasonore marche très bien. Et nous, on s'est dit, l'imagerie ultrasonore aujourd'hui marche à 50 images par seconde. C'est basé sur un principe de focalisation des ondes. On envoie un faisceau qui est focalisé, qui est très fin. Et puis après, on va envoyer un deuxième faisceau, un troisième faisceau, et on va balader les faisceaux pour faire une image. Et il faut un certain temps pour que les échos reviennent, et ça fait 50 images par seconde. Et donc, on s'est dit, avec notre électronique de retournement temporel, on va inventer un système qui va permettre de faire 10 000 images par seconde au lieu de 50. Et au moment, les systèmes classiques envoient un faisceau, on écoute les échos, ça prend un certain temps, puis après on envoie un deuxième faisceau, un troisième faisceau. Ça, c'est l'échographe classique, avec une barrette de transducteur. Et ça donne 50 ou 100 images par seconde. Nous, on est parti sur un principe bien plus simple. On va envoyer juste une petite onde plane qui éclaire tout un organe d'un coup. Hop, on va enregistrer tous les échos. Et comme on a des convertisseurs analogiques digitaux et des mémoires électroniques dans un miroir à retournement temporel, on va stocker tous les échos du milieu. Et là-dedans, on va faire un processeur à retournement temporel qui va retourner temporellement les échos et les repropager dans un modèle numérique. Et en faisant ça, en un tir, on fait une image. Et donc, on a une cadence de 10 000 images par seconde. Le premier appareil était là. Il pesait 300 kilos et on allait le promener de l'école physique-chimie à l'Institut Curie pour le tester sur des patientes qui avaient des cancers du sein. Et on a démarré sur cet appareil et on s'est dit 10 000 images par seconde, c'est une rupture dans le monde de l'échographie. Personne ne pensait que ça servirait à quelque chose. Nous, on savait que ça allait servir à quelque chose parce que quand on voit 10 000 fois par seconde l'intérieur du corps humain, on voit des vibrations qui se déplacent dans le corps humain sous forme d'ondes mécaniques qu'on appelle des ondes de cisaillement et qui sont créées par les battements cardiaques, par la respiration, par la parole et qui peuvent être créées par des petits coups que vous donnez sur le corps humain. Et donc, on s'est rendu compte qu'en créant un appareil qui faisait 10 000 images par seconde, on pouvait observer ce qui s'appelle les ondes S, qui sont bien connues en sismologie. Ce sont les ondes qui détruisent, après les tremblements de terre, les villes, alors que les ondes P, qui sont des ondes de compression, ne sont pas aussi intéressantes. Les ultrasons, c'est des ondes P, mais on va filmer la propagation des ondes de cisaillement. Et en faisant le film de la propagation des ondes de cisaillement 10 000 fois par seconde, on peut suivre ces ondes mécaniques qui ont une vitesse lente de quelques mètres par seconde. Vous connaissez tous ces ondes. Si vous êtes sur une plage et si on vous donne un coup de poing dans le ventre, vous allez voir une vague glisser sur votre ventre et tout le monde peut la voir. Ça s'appelle une onde de surface. Et si vous êtes très musclé, il ira vite. Si vous êtes plutôt gras, il ira lentement. Et là, on peut utiliser ce principe pour faire de l'imagerie où on va imager les vibrations dans le corps humain. Et lorsqu'on a fait ça, on a fait le premier imageur ultra rapide et on a voulu le proposer évidemment aux grands de l'imagerie médicale. Et vous allez voir la réaction. Avant de faire cet imageur ultra rapide qui pouvait filmer la propagation des ondes de cisaillement dans le corps humain, on avait eu l'idée d'un produit beaucoup plus simple qui donnait juste un petit coup pour créer une onde de cisaillement. Et en même temps, il y avait des ultrasons qui suivaient la vitesse de l'onde de cisaillement. Et on avait fait un petit appareil très simple qui s'appelle aujourd'hui le FibroScan, qui est le gold standard dans le monde entier pour suivre les maladies du foie. On met ça sur la peau devant le foie de quelqu'un et ça vous donne la dureté du foie. Et ça permet de suivre le degré de fibrose des gens. Et on avait développé un premier appareil avec un de mes étudiants, Laurent Sandrin, qui lui a monté une société qui s'appelle EcoSens et qui, à partir de cet appareil, a fait ça. Et ça, ce n'était pas un système d'imagerie, c'était juste un système qui voyait les ondes de cisaillement globalement se propager dans le corps et qui donnait un degré de fibrose. Au passage, cette société EcoSens, qui est Place d'Italie, a été rachetée par une société chinoise elle a installé 4500 FibroScan dans le monde. Et la première société qu'on a créée en 2001, c'était juste après la loi Allègre, a été une belle réussite, mais le retournement temporel n'était pas encore appliqué. Et lorsque on a compris que plutôt que d'avoir un unique transducteur piézoélectrique
pour faire une image globale du foie. Ce n'était pas une image, c'était un chiffre qu'on donnait sur le foie. On pouvait faire quelque chose de mieux en utilisant une barrette de transducteur et un processeur à retournement temporel. On est passé à cet appareil, puis à celui-là. Et on est passé à la création d'une autre société, Supersonic Imaging. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand vous regardez une image ultrasonore du corps humain, c'est très dur de comprendre ce que vous voyez. Ici, c'est une image d'un fantôme où il y a une inclusion dure, comme une boule dure qu'un médecin sentirait s'il pinçait, par exemple, le sein d'une patiente. Sur l'image échographique, on ne le voit pas, parce que les ultrasons ne sentent que le module de compression des tissus. Ils ne sentent pas le module de cisaillement. Mais si vous faites un film d'une onde de cisaillement dans les tissus, alors ce film, quand il passe sur l'inclusion, ce film qui est obtenu par une caméra ultra rapide, vous pouvez le décoder pour trouver la vitesse de l'onde de cisaillement et vous affichez la vitesse. Et là, vous voyez la dureté de la tumeur. Et on est passé d'un échographe qui ne donnait que des images en niveau de gris très qualitative, au premier échographe qui a un vrai biomarqueur, qui est la dureté des tissus. Et ça, c'est parce que le principe du retournement temporel permettait de rentrer toute cette électronique dans cette machine. On a attendu 2009 que ce qui s'appelle les GPU soient prêts, parce que tous ces calculs de retournement temporel et tout prennent du temps. Il fallait 45 minutes quand on allait à l'hôpital pour faire le film ultra rapide et le dépouiller. Là, c'était instantané. Et on a créé donc Supersonic Imaging en 2005. Et là, c'est quand même intéressant. Quand on a obtenu les premiers résultats à l'Institut Curie sur des patientes, je suis allé voir les patrons de Philips, les patrons de Siemens et les patrons de GE. Je les connaissais parce que j'étais dans ce monde de l'imagerie médicale et je leur ai dit, ben voilà, l'imagerie ultra rapide va permettre de faire une image d'un biomarqueur. Et bien, les trois grands m'ont rejeté en disant, mais vous êtes fous, pourquoi développer une technique qui va complètement changer notre gamme de produits, parce que ce n'était pas du tout le même concept de faire un appareil qui fait 10 000 images par seconde. Et ils ne nous ont donné aucune chance. Ils nous ont dit, en gros, tant que vous n'avez pas 10 000 patientes qui ont été testées par cette technique, on n'ira pas. Et donc, dans ce cas-là, il n'y a pas tellement de choix. Il faut créer une start-up. Et en fait, on l'a créée avec Jacques Souquet, qui était en même temps le patron de la R&D de Philips Medical aux États-Unis. C'est un Français qui, voyant que la direction de Philips n'était pas intéressée par une innovation de rupture, nous a dit ben, « je reviens en France » et on crée cette start-up. Et on a créé Supersonic Imaging. Cet appareil s'appelle l'Explorer parce que la start-up était à Aix-en-Provence. Il y a eu 10 ingénieurs qui étaient des Français, qui étaient aux États-Unis, qui sont tous venus créer la start-up avec nous à Aix-en-Provence. Et donc, on a ramené du beau monde de Seattle et de San Francisco pour créer cette... Et l'aventure était belle. On a installé 2400 explorateurs dans le monde. On a été attaqué, évidemment, par les grands. Et dernièrement, on a été racheté, on est en train d'être racheté, à mon grand regret, par une grande boîte américaine qui s'appelle Hologic. C'est la grande boîte sur la santé de la femme aux États-Unis parce que notre système permet d'avoir une bien meilleure détection de l'apparition des cancers du sein. Et encore une histoire qui se termine par une société qui est aux États-Unis. Bon, sur les images du sein, je ne vais pas vous montrer, mais maintenant, je vais vous parler d'autres applications. En même temps qu'on développait cet axe médical, on s'est rendu compte que le retournement temporel qui permettait de faire revivre à une onde sa vie passée ne nécessitait pas tout le temps d'avoir beaucoup d'antennes. Le problème, c'est combien faut-il de petits transducteurs et de mémoire électronique pour faire du retournement temporel. Et on s'est rendu compte que si les ondes se propageaient dans une pièce ou dans ce qu'on appelle une cavité, rebondissaient sur des murs, un petit nombre d'antennes suffisait pour faire du retournement temporel. Et donc, la première chose, c'est que dans quel cas les ondes rebondissent sur les murs. C'est le cas des ondes électromagnétiques dans cette pièce, mais dans le domaine de l'acoustique, c'est le cas du son dans la mer. Dans la mer, il y a la surface de l'eau, où il y a de l'air, et il y a le fond, et les ondes sonores rebondissent dans la mer. Et les sonars sont très limités dès qu'ils travaillent sur une mer qui n'est pas très profonde. Quand vous n'avez que 100 mètres de profondeur ou 20 mètres de profondeur, vous êtes très gêné par la réverbération. Et donc, à l'époque, on avait proposé à la DGA de faire
un sonar à retournement temporel ou un système de télécommunication à retournement temporel. Et la DGA avait demandé, donc c'est l'organisme qui s'occupait de l'armée, avait demandé son avis à la Thomson. Thomson, c'est aujourd'hui Thales. Et les gens de Thomson ont dit, ridicule, la mer bouge, ça ne marchera jamais. Bon, alors, on est allé convaincre nos amis à San Diego, à l'université UCSD, au Scripps, de se lancer dans la fabrication d'un miroir à retournement temporel. Et là, voilà un miroir de 78 mètres de long qu'on plonge dans la mer, qui marche à une fréquence sonore, où la longueur d'onde est de l'ordre de 50 cm. On met ça dans la mer, et les premières expériences qui ont été faites, on a participé à ces expériences avec Philippe Roux, qui était un de mes thésards, c'était des expériences qui ont été faites au Sakhalin Center, c'était le centre de l'OTAN qui est en Italie, près de l'île d'Elbe. Et en fait, l'expérience que je vais vous faire entendre est la suivante. Ici, vous mettez une source qui pousse un cri. Ici, vous avez une antenne à retournement temporel et en fait, il y a 10 km de distance. L'échelle n'est pas du tout respectée et ici, il y a 100 mètres de hauteur. C'est ce qui s'appelle le plateau continental et il y a 10 km de distance. Et donc, la source va pousser un petit cri et on émet un petit cri. L'onde qui part de ce point va rebondir énormément entre les deux parois qui sont là. C'est un guide d'onde tordu et on écoute ce qu'une antenne reçoit. Une antenne qui est là, quand vous avez poussé ce cri, elle reçoit de la réverbération, elle reçoit ce chant qui ressemble au chant d'une baleine. Mais ce n'est pas les baleines qui font ça, c'est la réverbération dans la mer qui fait ça. Et maintenant, on prend ces signaux, on les renvoie retournés temporellement. Physiquement, vous prenez ces signaux et vous les inversez. Et vous écoutez maintenant ce que la personne qui est là entend. Toute la réverbération née de la propagation, quand vous faites du retournement temporel, se compense, puisque l'onde revit sa vie passée. L'onde, quand elle est née, était très brève en temps. Elle s'est dilatée dans l'espace-temps. Vous l'enregistrez, vous la renvoyez en mode retourné, et clac, elle revient. Bon, alors quand on a ça, on peut faire de la télécommunication sous-marine. Vous avez un petit véhicule, il envoie un clic, vous recevez un code compliqué, vous retournez temporellement et lui reçoit un clic. Mais maintenant, ce code, vous pouvez le convoluer par exemple, des plus 1, des moins 1. Et ici, uniquement cette personne ou ce petit sous-marin ne reçoit que plus 1, moins 1. Et personne d'autre ne l'entend. Parce qu'il faut avoir décodé de l'environnement. Et donc, on s'est tout de suite rendu compte qu'il y avait des possibilités pour les télécoms. Et vous allez voir qu'on a poussé ça pour les télécoms électromagnétiques. Mais aujourd'hui, le seul qui est capable de mettre ça sur le marché s'appelle Huawei. Et nous allons en discuter. Et on voudrait bien que ce soit un Français. Et donc, ça a été développé. Et puis, comme l'armée n'avait pas mis d'argent pour qu'on développe les applications sous-marines, ça a été beaucoup développé aux États-Unis et au Japon. Et il y a maintenant des systèmes de télécommunication sur 1000 km de distance pour des petits sous-marins qui envoient des images télé par le biais du retournement temporel, parce que ça permet d'avoir un rapport signal à bruit bien meilleur et un codage bien meilleur. Mais par contre, à l'époque, comme on avait été déçus de ne pas pouvoir aller très loin dans le domaine des communications, on s'est posé la question suivante. Est-ce qu'en utilisant une seule antenne à retournement temporel, pas 28, ni 100, ni 1000, mais une seule, est-ce qu'on peut faire du retournement temporel? Et on a compris que si on était dans une cavité bien fermée, on pouvait jouer à ça. Et l'idée, c'est qu'on a pris des plaques de silicium. Ce n'est pas la Silicon Valley, mais c'est Silicon Wafer. C'est une galette de silicium. Et là, vous donnez un petit coup de marteau sur le silicium au point A et vous écoutez au point B ce que vous recevez. Et vous allez recevoir et l'onde qui va directement là et l'onde qui va rebondir sur les parois. Et donc, le point B reçoit quelque chose qui ressemble à un bruit. Une personne au point B, quand il voit ça, il appelle ça une coda, il dit il y a du bruit là-dedans, je ne sais pas quoi en faire. Bon, prenez une tranche de ce bruit qui dure assez longtemps, retournez-la temporellement, et maintenant réinjectez-la par l'antenne qui est placée au point B. Vous envoyez ce code, c'est une série temporelle de signaux, et vous l'envoyez. Et si vous l'envoyez, vous verrez que l'onde va revivre sa vie passée et elle va refocaliser au point A. Et donc, on a fait des très beaux papiers, parce que ça s'appelle une cavité chaotique, pour montrer que quand il y a du chaos, le retournement temporel marche mieux et nécessite moins d'antennes. Mais on s'est dit, on va l'appliquer. Et là, on a créé une nouvelle boîte. C'est un chercheur de mon laboratoire, Roskiri Ing. Et l'idée, c'était de transformer n'importe quel objet solide en un objet tactile. Et l'idée est la suivante. Il suffit de mettre une petite antenne qui
coûte pas très cher. C'est un petit cristal piézoélectrique ou un petit microphone que vous mettez là. Et vous allez donner avec votre doigt, vous allez taper au point A. Et quand vous tapez, ce milieu code le signal que vous recevez, c'est un code qui est là. Si vous prenez ce code, si vous le retournez temporellement, hop, le point A va se resoulever, parce que quand vous allez recréer ça, l'onde revit sa vie passée et recrée un pic très bref ici. Mais ce n'est pas pour ça qu'on l'a fait, ça c'est pour faire des objets haptiques, et c'est ce que les gens font maintenant. Mais nous, l'idée c'était d'apprendre pour n'importe quel objet de la vie courante la réponse de plusieurs points A, B, C, et on stocke toutes ces réponses dans la mémoire d'un ordinateur. Et quand on a stocké toutes ces réponses, évidemment, physiquement, on peut les retourner temporellement pour les émettre, pour faire bouger le point A, le point B et le point C. Mais au lieu de faire ça, on va juste faire maintenant de ce qu'on appelle de l'intercorrélation. On va faire le retournement temporel dans l'ordinateur. On a toutes les réponses. On connaît toutes les réponses du milieu. Et maintenant, chaque fois qu'on tape à un point A, on compare à toute la banque de réponses et on fait ce qui s'appelle de l'intercorrélation entre ce que le point donne et cette banque. Et en faisant ça, on fait du retournement temporel. Et là, avec ça, on peut faire des objets tactiles. Excusez-moi, j'espère que je n'ai pas fait une bêtise. Je voudrais bien que le film marche. Pas sûr qu'il va marcher. Non. C'est impressionnant de voir ce que ça fait. Si ça daigne marcher, excusez-moi. Ouais. Vous glissez votre doigt. Le bruit que fait votre doigt lorsqu'il glisse sur l'écran est décodé par la banque de données que vous avez et vous faites un objet tactile. Et en fait, on a créé cette société Sensitive Object qui a été rachetée par une société américaine, Tyco, qui est d'ailleurs dans la Silicon Valley, et il y a une société qui s'appelle HelloTouch maintenant qui fait ces objets tactiles. L'application à des petits objets n'a pas été répandue, mais tous les grands moniteurs de télévision qui sont tactiles dans les aéroports, dans les gares et tout, sont tactilisés par retournement temporel acoustique. Ça s'appelle la technique APR. Et maintenant, c'est l'industrie automobile qui est intéressée par transformer l'intérieur de beaucoup de voitures en des points tactiles sans avoir besoin d'avoir directement des boutons pression. Et vous pouvez aussi faire le contraire, je ne sais pas si le film va marcher. Vous pouvez, avec le retournement temporel, apprendre à soulever n'importe quel point d'une plaque. Et ici, par exemple, je ne suis pas sûr que ça va marcher, on va voir si le film va marcher. Non, il ne marche pas. Normalement, en envoyant différents codes, les trois petits objets qui sont là, chacun se soulève à son tour. On peut apprendre les codes qui fait que vous pouvez faire un petit écran très fin, qui est une lame de verre. Vous mettez votre doigt et vous sentez des endroits qui se soulèvent et donc vous faites des objets haptiques. Ça, ce n'est pas notre société qui le fera, mais c'est une des applications du retournement temporel pour faire des objets haptiques. Mais maintenant, si on veut revenir aux télécommunications, ce que je vous ai montré en acoustique sous-marine, c'est de la communication sous-marine, mais avec des ondes acoustiques. Maintenant, pourquoi ne pas le faire avec des ondes électromagnétiques? Le problème des ondes électromagnétiques qu'on utilise en téléphonie mobile, c'est que les fréquences, ce n'est pas des centaines, c'est pas des kilohertz ni des mégahertz, mais c'est des gigahertz. Et donc, il faut, pour faire du retournement temporel d'ondes électromagnétiques dans une ville, avoir des émetteurs programmables qui utilisent des fréquences très élevées. Et de plusieurs gigahertz, disons, typiquement, il faut des fréquences d'échantillonnage de 10 gigahertz. Et à l'époque, quand on a compris ça, on a décidé de créer une société qu'on a créée qui s'appelle Time Reversal Communication. C'était en 2008 qu'on a créé Time Reversal Communication. Et l'idée, c'était que dans une ville, quand quelqu'un émet une onde à partir d'un téléphone, cette onde zigzague entre tous les murs de la ville. Et dans une pièce, c'est la même chose. Et vous savez que de temps en temps, il y a des endroits qui sont très mauvais ou des endroits qui sont bons. Et vous savez que les gens essayent de résoudre ces problèmes. Et on a démontré, d'une part, que les techniques de retournement temporel sur les ondes électromagnétiques marchent très bien dans les villes, mais ça coûtait très cher. Et la société qu'on a voulu créer à l'époque, Time Reversal Communication, qui a eu jusqu'à 35 personnes, est tombé sur un os, c'est que la loi de Moore faisait que c'était encore beaucoup trop cher en 2008-2009 d'avoir des composants qui échantillonnent à 10 GHz et que vous mettez dans votre téléphone ou dans les stations de base. Et donc, on a eu un véritable échec.
On est arrivé trop tôt, on a commencé à proposer qu'on fasse de la télécommunication par retournement temporel pour ne cibler qu'une personne dans la pièce, ou trois ou quatre. On apprend leur code à travers la pièce, et si on va vite, chaque personne reçoit son signal. Au lieu d'envoyer l'énergie bêtement partout, l'énergie ne va que vers les utilisateurs s'ils se sont manifestés. Et puis, ces dernières années, c'est revenu. Et en fait, Orange a commencé à faire un premier démonstrateur de retournement temporel. Là, je ne suis pas sûr que le film marche, mais si à partir de trois antennes qui marchent en mode retournement temporel, si une personne se promène dans la pièce, les ondes électromagnétiques suivront la personne, vont vers la personne. S'il y a deux personnes, ils vont vers deux personnes. Le système apprend à exploiter l'environnement pour focaliser sur chaque personne. Ça a un gros avantage, c'est que vous pouvez baisser l'énergie que vous envoyez parce que l'énergie électromagnétique ne va que là où elle a besoin d'aller. Au lieu d'avoir bêtement de l'énergie partout. Alors aujourd'hui, mon labo a un très très gros contrat avec une entreprise dont vous avez tous entendu parler, qui s'appelle Huawei. Et nous sommes très contents de ça. Pourquoi ? Parce que nous n'avons trouvé aucun grand industriel français intéressé par ça, et les industriels scandinaves non plus, mais c'est Huawei qui est venu s'adresser à nous et qui investit beaucoup pour la fin de la 5G et la 6G sur le retournement temporel. Le retournement temporel, c'est la bonne technique pour envoyer des messages à chacun et gagner en rapport signal à bruit. Donc, ça, c'est la première étape. Mais comme on a été déçus que notre première société, Time Reversal Communication, n'ait pas marché, on a réfléchi, est-ce qu'on ne peut pas inventer quelque chose en attendant que les composants électroniques ultra rapides soient sur le marché, à prix correct, c'est la loi de Moore, est-ce qu'on ne peut pas inventer quelque chose d'autre? Et là, on a eu une idée assez amusante, qui est l'idée suivante. Un miroir à retournement temporel, si la personne s'identifie, si vous captez le signal, si vous retournez, vous pouvez lui envoyer un message très long après que seul lui va recevoir. Mais on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas, plutôt que d'avoir besoin d'une électronique où il y a un certain nombre de voies d'électronique très spéciales qui ont des convertisseurs ultra rapides et qui font tout ça et qui consomment pas mal d'énergie, est-ce qu'on ne peut pas inventer quelque chose, un miroir intelligent qui permettrait, à un prix bien plus abordable, de vous changer la vie au point de vue des ondes électromagnétiques? Et là, on a décidé de créer une start-up qui s'appelle Greener Wave, qu'on a créée il n'y a pas longtemps. Et l'idée est la suivante. Ici, vous voyez un bout de mur sur lequel il y a une feuille de plastique. Mais cette feuille de plastique est divisée en des tas de petites zones, des pixels, il y en a une centaine. Chacun, le plastique peut devenir conducteur ou isolant. Si vous changez la propriété du plastique, localement, il peut être un plastique conducteur ou isolant. Si vous faites ça, et c'est facile à faire avec ce qu'on appelle des métamatériaux, des métasurfaces. Vous mettez ce qui s'appelle des petits résonateurs électromagnétiques et en changeant leur fréquence d'oscillation, hop, localement, le plastique qu'il y a dedans, ce résonateur, change ses propriétés. Et donc, c'est une espèce de condition aux limites. C'est un miroir qui ressemble un peu aux grands miroirs de télescope. Vous savez que les grands miroirs de télescope sont faits de tas de petits miroirs séparés, et quand une onde vient d'une étoile, à travers l'atmosphère, elle est déformée. Et vous savez que ces miroirs de télescope qui révolutionnent un petit peu l'astronomie sont formés de tas de petits éléments, et on fait bouger chaque élément par rapport à l'autre pour essayer de trouver la meilleure loi pour que toute la lumière qui vient à travers la turbulence soit compensée des aberrations dues à la turbulence. Et ici, c'est un peu la même idée. C'est un miroir à deux phases, c'est-à-dire quand une onde arrive sur chaque élément, suivant que vous mettez un signe ou l'autre, l'onde va rebondir soit en gardant le même signe, soit ça va inverser le signe. C'est-à-dire que c'est un miroir déphaseur qui ne va pas contrôler la phase exactement, mais soit il a des phases de pi, soit de zéro. Ça veut dire soit... Et on a compris que ça permettait de résoudre un problème vieux comme le monde, que vous connaissez tous dans le métro. Vous savez que dans le métro, si une personne est de ce côté du métro et dit A, si de l'autre côté du passage du métro, il y a une personne au point B, et si ici la forme est celle d'une ellipse, tout ce que vous dites est entendu parfaitement par la personne au point B. Quand vous êtes dans une ellipse, si vous êtes à un des foyers de l'ellipse, quand vous parlez, quand vous envoyez des ondes, tous les rayons
arrive à l'autre foyer. Et si vous voulez avoir une pièce où vous voulez murmurer quelque chose et qu'une personne l'entende très bien, il faudrait que la pièce soit une ellipsoïde et que vous soyez à un foyer et l'autre à un autre foyer. Mais ça, ce n'est pas facile de déformer tous ces murs. Maintenant, si au lieu de déformer les murs, si je mets dans la pièce juste sur un bout de mur ce petit miroir intelligent que je vous ai décrit, qui est un petit miroir qui peut, quand il reçoit une onde, soit la mettre plus 1, soit moins 1, et vous regardez ce que vous recevez au point B, ben vous pouvez apprendre très vite, quelle que soit la configuration de la pièce, à faire que tout ce que vous envoyez du point A va au point B. Et on a fabriqué ces surfaces qui sont très bon marché, en fait. Elles peuvent coûter quelques euros. Et ces surfaces, en fait, si on les met dans une pièce, elles contrôlent les conditions aux limites de cette pièce. Et si vous avez un téléphone qui n'est pas content parce qu'il n'a pas assez de signal, si ce téléphone parle avec cette surface et lui dit « je ne suis pas content parce que je n'ai pas assez de signal », la surface va changer ses phases, elle va passer de plus 1 à moins 1 et elle va trouver la meilleure configuration à toute allure pour que le téléphone reçoive du signal. Et là, c'est une petite démonstration. C'était sur des feuilles de carton, notre première expérience. Vous voyez ici, ici c'est le damier concret. Ici, il y a une antenne. On va la déplacer à un endroit où il n'y a pas de signal. On se met là. Le système apprend tout seul. Et d'un coup, la pièce refocalise sur l'antenne. Mais ça, ça ne coûte rien. Et ça, c'est une électronique très, très basse fréquence qui marche à quelques hertz. Et vous pouvez traquer les objets. Et donc, on s'est retrouvé avec ce concept que si on met une surface intelligente dans n'importe quelle pièce, si votre téléphone collabore avec, alors on révolutionne tout le monde du wireless. Le problème, c'est que pour que le téléphone collabore avec la surface, il faut connaître les signaux reçus à l'intérieur du téléphone dans la couche la plus profonde. Or, personne parmi les grands n'est prêt à nous donner cette information. Apple, Samsung, non. Par contre, Huawei, oui. Et en fait, on se retrouve sur une innovation de rupture parce que ces surfaces pourront être souples après. Ça peut être des feuilles qu'on met dans votre appartement, dans vos murs. Et si vous avez ça, s'il y a un tout petit peu d'intelligence dans votre téléphone, ben les ondes n'iront que vers votre téléphone et que vers les gadgets qui collaborent. Malheureusement, pour ça, il faut rencontrer le monde des grands de la téléphonie. Ce monde n'est pas facile. On vous crache dessus quand vous êtes une start-up de 8 personnes. Mais on est parti là-dessus. Et évidemment, comme je vous disais, Huawei est intéressé. On n'a pas encore fait de deal avec eux, mais c'est sûr que... Bon, alors, c'est sinistre aussi. C'est le monde où on met des murs intelligents pour les ondes électromagnétiques. Par contre, pour les amateurs d'écologie électromagnétique, ça, c'est bien, parce qu'avec ces surfaces, vous divisez par 10 l'énergie que les antennes relais doivent envoyer. Et au lieu de recevoir le Wi-Fi de tous les appartements de votre immeuble, vous pouvez baisser très fort l'émission du Wi-Fi, et si vous mettez cette surface, d'un coup, vous avez des signaux très forts et très puissants, mais l'énergie n'est pas gaspillée. Alors, comme on n'arrive pas à pénétrer dans le monde du téléphone encore aujourd'hui, on a décidé avec ces métasurfaces de faire autre chose. Et donc, on a d'abord mis au point un four à micro-ondes où vous n'avez plus besoin d'avoir un plateau tournant. Vous savez pourquoi vous avez besoin d'avoir un plateau tournant? Parce qu'un four à micro-ondes, c'est une cavité. Quand vous créez un champ électromagnétique, il y a des nœuds et des ventes, c'est-à-dire des endroits où le champ est très intense et des endroits où il est faible. Si vous mettez votre steak sans faire tourner votre truc, vous êtes sûr de voir juste des couches du steak, toutes les demi longueurs d'onde qui sont brûlées, mais pas partout. Et donc, c'est pour ça qu'on fait tourner les choses. Bah, si vous mettez une petite surface sur le four qui change ses phases tout le temps, ben, en fait, vous faites un brasseur d'ondes. Et donc, ça, c'est une application. On regarde d'autres applications, en particulier pour ce qui s'appelle le RFID, lorsqu'on veut trouver tous les petits tags que vous avez dans les magasins pour repérer tous les produits. Dès qu'il y a de la réverbération, dès qu'il y a du métal, ça marche très mal. Avec notre petite surface, ça s'arrange.
On peut faire aussi des radars. On est en train de développer un radar qu'on met dans le pare-choc d'une voiture qui, au lieu d'avoir 1000 antennes, n'a qu'une antenne, mais a notre métasurface qui change ses propriétés. Et donc, on peut voir des choses. Et donc, on pense qu'il y a pas mal de choses. Alors, là, à nouveau, un point de vue plus philosophique et industriel pour la France, c'est une rupture technologique, ce type de métasurface. Mais comment avoir beaucoup de moyens pour aller là-dedans? Parce que ça vise un marché qui est la téléphonie. En France, on n'est pas aidé. Et là-dessus, on est obligé de se rabattre pour gonfler les muscles de notre start-up sur des applications plus simples. Et on espère bien terminer sur l'application finale. Mais on serait dans la Silicon Valley. Je peux vous dire que ça irait beaucoup, beaucoup plus vite. Mais en tout cas, là, on a du mal. Alors maintenant, on a démarré l'aventure du retournement temporel par la thérapie. Eh bien, on la termine par la thérapie aussi. En fait, on a créé, il y a quelques années, une autre société qui s'appelle CardiaWave, où l'idée, c'est d'utiliser les ondes de choc qui peuvent être produites par des faisceaux d'ultrasons très concentrés, non pas pour casser des calculs dans le rein, mais pour taper sur des gens qui ont une valve aortique calcifiée. Pas mal de gens, à partir de 60 ans, 65 ans, commencent à avoir ce problème de RAC, ça s'appelle un RAC, valve aortique calcifiée. Et on s'est dit, est-ce qu'en tapant de façon extrêmement précise, en traquant la calcification, qui est quelque chose qui donne un écho beaucoup plus fort que les échos des tissus. Une calcification, c'est un peu comme un calcul rénal, mais c'est moins grand généralement. Est-ce qu'on peut traquer et taper dessus? À l'époque, quand on a fait ça en 1990, ça coûtait très cher. Aujourd'hui, c'est faisable. Et donc, on est parti sur une société qui a maintenant 18 employés et qui utilise le principe d'une cavité à retournement temporel pour taper. Et on est en train de faire les premiers essais sur l'homme. On a fait beaucoup d'essais sur le cochon pour voir si on peut ramollir les calcifications. Si on peut faire ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment sans ouverture. Aujourd'hui, il y a une technique qui s'appelle le TAVI, qui est une technique où on passe par l'artère fémorale pour vous remplacer la valve calcifiée. Si on peut la ramollir à distance, ce serait pas mal. Bon, donc c'est un des projets. On a levé pas mal d'argent là-dessus parce que ça intéresse beaucoup les gens. Et maintenant, on est sur une prochaine start-up qui, elle, qui est assez futuriste. Vous vous rappelez qu'on a mis au point le premier imageur ultrasonore ultra rapide de l'intérieur du corps. C'est notre échographe qui fait 10 000 images par seconde. Mais on s'est dit maintenant, pourquoi ne pas utiliser les petits transducteurs qu'il y a dans les pare-chocs des voitures? Dans les pare-chocs des voitures, il y a des petits transducteurs ultrasonores qui émettent des ultrasons dans l'air, mais à 40 kHz, c'est une fréquence très basse, et qui vous permettent de dire « Oh, j'ai un obstacle, j'arrête d'avancer, je n'avance plus et tout ». Et on s'est dit, pourquoi ne pas utiliser notre principe du retournement temporel et tout pour fabriquer un panneau qui a 512 de ces petits transducteurs dans l'air qui coûtent très peu, coûtent 10 centimes d'euros chaque transducteur, parce qu'ils sont construits à des milliards d'exemplaires pour toute l'automobile. Et donc, on a fait un panneau, et vous vous mettez devant le panneau, soit en chemise, soit torse nu, et ce panneau fait non pas 10 000 images par seconde, mais fait 1000 images par seconde de l'écho de la surface de votre corps. Mais en faisant 1000 images par seconde, et en faisant un film de ça, on vous voit respirer, on voit votre cœur qui bat, et on voit plein de choses. Et alors, excusez-moi, normalement, on voit tout ça, mais mon film n'a pas du tout envie de se passer. Là, j'essaie. Ouais. Non, alors, là, on voit quelqu'un qui respire. On voit aussi une onde qui part. En faisant ça, comme on est sensible, en gros, à des déplacements de quelques microns de la surface du corps, et on le fait 1000 fois par seconde, on peut soit voir la respiration parfaitement, voir si la personne respire de façon normale, symétrique, asymétrique, si l'expiration et l'inspiration sont du même genre, mais on peut aussi, en regardant la partie haute fréquence des vibrations, voir les battements du cœur. Et les battements du cœur, on ne les voit pas qu'au-dessus du cœur, on les voit à pas mal d'autres endroits. On voit très bien qu'au-dessus de l'aorte abdominale, il y a des petits, la peau se soulève aussi, et on peut suivre des ondes à distance. Alors, pour le moment, on ne sait pas très bien ce qu'on va faire de tout ça, mais on pense que cet imageur, c'est un imageur des vibrations du corps humain, et c'est un imageur sans contact,
Et c'est un imageur qui peut être très bon marché. Et ça peut être un outil de médecine qui voit vos problèmes de respiration, vos problèmes cardiaques, qui voit le couplage des deux, qui voit si vous êtes stressé ou pas, parce que si vous êtes stressé, votre corps devient plus dur et les ondes mécaniques avancent plus vite. Il y a un certain nombre de choses. Et on ne sait pas, mais disons, c'est notre prochaine start-up. Maintenant, une dernière chose sur la compétition entre France et États-Unis. Au moment où on a développé les techniques de retournement temporel, quand ça n'a pas marché pour la lithotripsie parce que c'était trop cher pour les calculs rénaux, on a développé un autre projet bien plus futuriste, mais ce n'est pas nous qui l'avons terminé. On a voulu voir si on pouvait apprendre à focaliser les ultrasons à travers la boîte crânienne qui déforme les faisceaux, et le principe du retournement temporel est idéal pour attraper les faisceaux. Donc, on a mis au point, avec l'aide curieusement de la DGA initialement, un premier miroir à retournement temporel pour apprendre à focaliser à travers le crâne, pour pouvoir focaliser des ultrasons sur des zones de l'ordre de 1,5 mm au cube. Un petit grain de riz. Et on a montré qu'en utilisant le principe du retournement temporel derrière des crânes, au lieu de focaliser n'importe où des ultrasons, et si on voulait brûler des zones pour les détruire, on tapait à côté, on pouvait faire un faisceau très précis. Et on a mis au point toute une technologie où, à partir de l'image à trois dimensions obtenue par un CT scan à rayon X, on pouvait simuler dans l'ordinateur toutes les aberrations du haut crâne et apprendre à focaliser. Et on a fait un très beau projet. On l'a testé sur des cadavres où on a montré qu'on pouvait détruire certaines zones, mais on a été lent. Et tout à l'heure, on a eu un exposé sur les singes. Je ne sais pas si vous étiez là tout à l'heure, mais il y a eu un exposé venant de Chine sur l'utilisation des singes. Et au moment où on a sorti les premiers résultats qu'on avait, qu'on pouvait focaliser des ultrasons très précisément à travers des crânes, mais c'était sur des brebis qu'on l'a fait au départ, on a été invité en Chine dans la ville de Chongqing, petite ville de 32 millions d'habitants, dans le centre de la Chine, où il y a une société qui travaille, qui s'appelle HIFU, ça veut dire High Intensity Focus Ultrasound, qui travaillait sur la thérapie par ultrason. Alors, on brûlait des tas d'organes et tout. Et ils nous ont dit, si vous travaillez avec nous, on ira très vite. Et on fera un produit très, très vite. Et ils nous ont amenés au zoo de Chongqing, où j'ai visité le zoo et j'ai vu pas mal de singes. Et sur chacun des singes, ils me disaient, regardez celui-là, vous voyez les cicatrices qu'il a là, c'est un de nos singes. Vous voyez l'autre, c'est un de nos singes. Et ils nous ont proposé à l'époque que si on travaillait avec eux, on pouvait tester ça sur des singes. Alors, on a refusé. On leur a dit merci, on était très contents. Et entre-temps, à Harvard Medical School, une équipe dirigée par Ininen, qui est un type très brillant, 3 ans après qu'on ait démontré qu'on pouvait passer le crâne, a eu énormément d'argent pour développer un système de focalisation à travers le crâne, basé sur nos idées. Il a rajouté quelques astuces à lui qui étaient très bien. Et il a vendu ça à une start-up israélienne qui s'appelle InsideTech. Et cette start-up a entre-temps été racheté par G, et cette start-up sort maintenant un produit qui est le premier système de thérapie par ultrason qui peut brûler des petites zones dans le cerveau. Et pour le moment, c'est beaucoup utilisé pour les trémors, les tremblements essentiels. On vise certaines zones du corps et quand on voit qu'elle arrête de vibrer, on peut brûler la zone. Et maintenant, les premiers essais sur Parkinson se font avec cette machine. Mais nous, on a raté le coche. On a eu les premiers brevets, on a démarré, mais on a voulu mettre ça dans Supersonic Imagine, la boîte qu'on avait créée. Et au début, on s'était dit qu'on serait une boîte de théragnostic, faisant de l'imagerie d'un côté et de la thérapie, mais c'était trop dur pour une boîte française. On pouvait faire que de l'imagerie et c'était déjà pas mal. Mais là, on a raté. Mais bon, en conclusion... En fait, on a quand même pas mal réussi dans l'ensemble. On a beaucoup réussi grâce à l'écosystème qu'on a créé autour de nous.
et l'écosystème ESPCI, je dirais, le fait d'avoir une juriste dans un labo qui connaît chaque chercheur et qui est amie de chaque chercheur, ça change tout, comparé à tous les chercheurs du monde académique qui, avant d'aller rencontrer le juriste de l'université, réfléchissent à deux fois. Et là, il y a pas mal d'autres start-up qui sont nées, pas à base de retournement temporel, mais ça marche bien. Donc, la France n'est pas foutue de ce côté-là. On peut créer des start-up, mais dès qu'elles deviennent un peu grosses, aucune ne reste française. Ça, c'est malheureusement... Et ce n'est pas de la faute des chercheurs. Nous, on voudrait qu'elles restent françaises, mais c'est nos investisseurs qui, eux, quand ils voient qu'il y a une occasion, la revendent. Et donc, c'est un peu triste. J'espère que le président, qui parle beaucoup de Startup Nation, a compris que ce qui nous manquait en France, ce n'était pas tellement les start-up, c'était les boîtes de taille intermédiaire, entre 100 et 2000 personnes. Ça, c'est ce qu'on n'a pas en France. C'est très rare que ces boîtes se développent comme en Allemagne. Et s'il n'y a pas un plan pour un peu Colbert, il faut être un peu colbertiste là, si on n'est pas aidé par l'État, aucune de nos start-up qui réussit ne pourra devenir grosse. Elles seront toujours achetées avant. En tout cas, c'est l'expérience que nous, on a. Voilà, je vous remercie.